heureux comme Ulysse, a fait un long voyage, est parti chez Ulysse, pour se rendre à Paris-Plage. C'est dimanche, je suis dans ma chambre, allongé sur mon lit. Il fait un joli temps de novembre, et comme d'habitude, je m'ennuie. Le repas a duré des siècles, en famille à la maison. J'en avais marre de regarder mon assiette, et la balade en forêt. Je descends regarder l'équipe avec mon chat, mon confident. Je prends ma couette, un paquet de chips. J'espère qu'ils seront absents longtemps. Ça fait 2 heures que je zappe. C'est vraiment nul la télé. Bien sûr, je pourrais faire mon devoir de maths, mais là, je sens trop pas. Je suis crevé. Et je surveille mon portable, prêt à vivre que pour moi. C'est limite insupportable, tous ces gens qui ne m'appellent pas. Alors dépite et je me lève, et je m'assois devant le miroir. J'essaie des coiffures qui ne me vont pas. Je crois toujours que je bouge, que je fais la tête. Mais tout le monde me dit que ça m'embête. Tu crois que c'est facile de rester d'aussi là? Je crois toujours que je bouge, que je fais la tête. Mais plus on me le dit, plus ça m'embête. Alors là, ouais, je fais la tête. Je suis comme je suis pressé. Enfin mon piercing à la paupière. Pour les tatouages, mes parents sont pas prêts. Et ces regards qui m'agitent quand je me balade dans la rue. Tout ça car mon string dépasse de mon jean. On croirait qu'ils n'ont jamais rien vu. Je saisis mon baladeur. De rester docile quand on te fait toujours des remarques sur ton style et quand tes parents t'emmènent en week-end. C'est la haine! Alors que moi, mon truc, mon astuce, mon virus, c'est de passer l'après-midi sous l'abribus. On se retrouve là, on est planté là, on dit n'importe quoi et on est mort de rire. Et ça déchire! On croit toujours que je pourrais. Je fais la tête, et plus on me le dit, ça m'embête. Tu crois que c'est possible de rester docile? On croit toujours que je bouge, que je fais la tête, et plus on me le dit, ça m'embête. Tu crois que c'est possible de rester docile?